Hey hey, ici Frankie de Alan Key, bienvenue à la partie 15 ou 14, mais je crois 15 de Outlast 2. On va continuer ça. Ok. Batterie. Là, faut que je passe par là. Mort, mes gars, je continue à courir. Je suis pas dit d'aller où? Ok, je suis vraiment supposé traverser par là. Résultat. Ok. Ok, on va se guérir. Là. Ok. Bon, on va s'en arriver à la mine pour vrai. Il arrive. Il serait temps. Oh, c'est quoi ces monstres-là? C'est poursuite, après poursuite la fin du jeu! Parce que je sais que j'approche de la fin. Ben je sais, je sens que j'approche de la fin. Ça peut pas continuer de même à l'infini! Run like a motherfucker! Motherfucker. Tu peux encore la sauver. Jess, j'ai juste à... Lynn, elle s'appelle Lynn. Deviens fou. Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Hey, hey. Ok, 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 on descend, on descend. Nous. À 800 mètres. C'est 800 mètres et 800 pieds de profond. Ah!
serait ça? Pourquoi ils veulent que je filme ça? Ça veut dire quoi ça? Piégé. J'allais jamais sortir. Je le sais maintenant. Au moins, je serai avec elle. Ok. Piégé. C'est bon. Mais les hérétiques, c'est vraiment troublant parce que ils ont pas l'air humains. Ils ont comme des branches qui sortent de la tête. Ok. Venez me dire que lui est humain. Ok, c'est de l'autre bord. Oh mon Dieu! Lynn! Et merde. Bon, là au moins je peux me relever, contrairement à l'autre fois. Non! Descends! Tu n'es pas méchant, Blake. Juste désorienté. C'était-tu un violeur? On va redescendre. Parce qu'il est pas là pour vrai, le punk. Ok. Merde! Ok. Il n'y a plus de peau. Ils ont enlevé la peau pour le laisser brûler. On va écouter le message. Voyons. Ils ont vécu ici. Non, pas vécu. Je devais trouver Lynn. J'espérais ne pas l'avoir fait. Pas avoir fait quoi? Trouver Lynn. Y'a que ça qui compte. Trouver Lynn. Il y a que ça qui compte. D'autres bonhommes pas de peau. Ici, un chemin. Je pense que ça va pas mal être ça. Regardez furtivement, pourquoi? Comment ça, il y avait... Pas ça. Tu sais, je me dis, comment ça se fait qu'il y avait des places pour se cacher? Pas des places pour se cacher, excusez. Des casiers. Un paquet d'affaires. Tabarnak!
Ok. C'est quoi? Ça se cacher. Se cacher. Ok, c'est du one shot kill ici. Là. Ici. J'ai le cœur qui débat là. Et on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je viens de l'entendre vraiment à côté, fait qu'on va laisser faire. On va attendre un peu. Il m'a vu. Je suis mort. Non, non, c'est pas juste. Hein? Ok, non, il m'a tué. On va trouver un truc, on va trouver un truc. Il est où là? Je veux juste sortir. Je m'en fous de ces vidéos-là. Ok. Ok. Donc, quoi?
C'est tout? Pas ça que je veux, là. Trouver Lynn. Y'a que ça qui compte. Ah ouais! Je suis pogné dedans. Oh! Je suis encore coincé. Qu'est-ce que je dis? Décoré avec les morts. Je regardais ces visages à la recherche de Lynn. À la recherche des miens. Pour Jessica. Mmh. Ah! Je viens de comprendre. Parfait. On va très bientôt si finir la partie. Si tu as quelque chose, je veux que tu me le dises. Je sais pas si j'ai trouvé ça par hasard ou s'il fallait vraiment que j'aille là. Faudrait juste au moins que je finisse de le traverser sans que ça explose. Ok. On va approcher là. Faut recharger, je pensais que c'était écrit regarder. Trouver Lynn. Y'a que ça qui compte. Je pouvais déjà les entendre. Je savais pas si c'était réel. J'ai vu le squelette du fœtus au fond de sa cage thoracique. Je pense pas que ce soit elle, mais en tout cas. On va finir la partie ici. Fait que merci d'avoir regardé la 15e partie de Outlast 2. Et on se revoit dans la prochaine, la 16e. Ciao!